Alors, bonjour, voici une petite vidéo pour savoir comment insérer une image dans Sketchbook Pro ou Sketchbook. Donc, j'ai ouvert l'application Sketchbook pour avoir un nouveau canevas ou une nouvelle esquisse. Je fais plus, nouvelle esquisse. Je choisis une valeur prédéterminée pour prendre la résolution de l'écran de mon iPad. Je crée. Et je vais tout simplement dans l'icône en haut, un petit peu à droite du petit paysage. Je fais plus et je vais chercher mon image que je peux avec deux doigts agrandir ou rapetisser. Et quand le cadrage me convient, je fais terminer et je peux ajouter des calques à droite avec le petit plus pour pouvoir travailler sur ma photo sans l'abîmer. Alors, je choisis l'outil plume et je peux travailler le point. Dans mon outil plume, je peux grossir la taille et travailler les motifs sur la photo noir et blanc. Donc, si je n'aime pas ce que je viens de faire, je peux tout simplement cacher mon calque en cliquant sur le petit œil du calque. Oups. Et voilà. Autre façon d'aller chercher une image dans Sketchbook, on fait tout simplement nouvelle esquisse. On fait tout simplement galerie. Donc on va enregistrer cette esquisse-là. On s'en va dans la galerie et ici pour le plus, il nous demande tout de suite, est-ce que vous voulez travailler à partir d'une image? Alors, je peux cliquer Créer à partir d'une image, importer une photo. Il va prendre la dimension de la photo à ce moment-là. Donc, ce n'est pas exactement la même dimension que la résolution de mon iPad. Et à ce moment-là, je peux encore ajouter un calque à droite avec le plus et travailler le motif, la texture ou par-dessus tout simplement ma photo. Voilà.